Bon les gars, je suis en appel avec la meute. Mettez un like sur la vidéo les gars. Aïe. Force à tous les sitiens qui regardent cette vidéo les gars. Et lâchez rien. Que de la muscu, de la haine et de la caféine. Les gars, je suis tellement hype pour ce training. Aujourd'hui, ça va être le deuxième leg day de mon PPL. Donc ça va être du soulevé de terre sumo. On va faire une petite perf aujourd'hui, une petite PR. Déjà, on va essayer. Je compte essayer 200, essayer de passer 200. Je suis pas du tout sûr de moi. J'ai pas fait de PR depuis que j'ai repris le soulevé de terre en fait. Donc ça fait un mois et demi, deux mois. Là, le repas de midi, c'est 300 grammes de riz, du poulet et des tomates cerises. Normalement, il y en avait un peu plus, juste j'en ai mangé pendant que ça réchauffait. Ouais, ça c'est le deuxième repas. Ensuite, on a mangé le repas pré-workout. Ensuite, on va aller à la salle et s'entraîner et essayer de taper PR. Les gars, avant qu'on continue la vidéo, je tenais juste à vous rappeler que j'ai sorti un projet en septembre qui s'appelle La Doctrine. Pour tous ceux qui savent déjà, bon, on s'en bat les couilles, vous pouvez continuer. Mais pour tous ceux qui me découvrent ou qui m'ont découvert après septembre ou après octobre, j'ai un document que je vends qui s'appelle La Doctrine. C'est tout simplement un document qui vous permet de tout apprendre de A à Z sur comment devenir stock et comment tout faire vous-même. Quand je dis tout, c'est faire vous-même votre diète selon votre génétique et peu importe d'où vous partez, comment faire son training tout seul, quel complément choisir et plein d'autres choses vraiment plus détaillées. Vu qu'il y a beaucoup d'informations qui tournent sur internet, il y a beaucoup de bonnes informations, mais il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas claires tout simplement, qui partent dans tous les sens, qui sont contredites, qui... Enfin voilà, c'est pas clair du tout. Ce document-là, il est clair à 100%. Donc vous pouvez le trouver en description sur mon site, c'est 14 balles. Là en ce moment, c'est vraiment la période des fêtes et surtout du nouvel an et des nouvelles résolutions. Et donc, il y aura beaucoup de gens qui vont s'inscrire à la salle de sport début janvier. Et moi, ce que je vous conseille, c'est avant de commencer à prendre des coachs, voilà, vous payez des centaines d'euros chaque semaine, juste essayez la doctrine. Ok, c'est 14 balles encore une fois. Essayez la doctrine, essayez de faire les choses vous-même, essayez d'apprendre un petit peu sur ce que vous faites ou ce que vous devez faire plutôt que de prendre quelqu'un qui vous dit exactement quoi faire, mais sans vous expliquer comment. Et voilà, ça sera beaucoup plus clair et censé de vous-même apprendre des informations en premier. Donc je vous laisse checker ça si vous en avez envie, description en bas. Ma playlist Spotify, pareil, les personnes qui me demandent les musiques pendant les trainings, tout ça, playlist Spotify, il y a absolument toutes les chansons que je mets. Il n'y en a pas toutes forcément, parce qu'il y en a qui sont pas sur Spotify. Mon lien Nutrimuscle, description, allez checker ça. Bon les gars, on est arrivé à la salle, je suis vraiment trop hype. On est de retour avec le frérot Yas. Comment est-ce que tu vas? Wesh les gars, tranquille. Bien évidemment, avec le frérot Sosten. Sosten, comment est-ce que tu vas? Eh, ma vie elle pue la merde aujourd'hui, on te la donne à la salle. Les gars, vous voyez, quand votre vie elle pue la merde, c'est une raison de plus... Dépressé de shit. C'est une raison de plus pour vous envoyer à la salle. Shit. Oh les gars, j'ai un nouveau goût de Total War qu'on va prendre là, j'ai vraiment trop hâte de le tester. Enfin, je l'ai déjà testé, mais j'ai hâte de le faire tester à mes copains. C'est le goût Sour Gummy Bear, donc bonbon petit ourson acide. Les gars, vous voulez sentir le nouveau shit? Ça c'est le nouveau shit. Ouais, j'ai des... Téma, comment ça fume frère? Non, hein. Voilà. Il est super bon. Ça a l'air bon. Tant du coup, ça fait combien de Total War qu'on a goûté? On a goûté le Blue Raspberry. Le Tiger Blood, ouais. Le Rainbow Candy, je crois. Ouais, ça. Et c'est le quatrième, ça. Là, c'est le quatrième. Mon préféré, je dirais, c'est le... Je crois que ce sera le Tiger's Blood. Genre, vraiment, j'ai kiffé le Tiger's Blood. Ah non, moi, c'est celui que j'ai moins aimé. Ça, c'est celui que j'ai moins aimé. Tiger's Blood, en vrai, c'est moi, perso, j'ai pas du tout aimé. Il est fait... Comme là. Oh, shit. Attends. T'inquiète, je gère. Attends, referme bien. T'es tout serré, genre. Ouais, fais doucement, gros. Voilà, regarde. C'est un peu sus, je trouve. Non. Oui. Dites ma dose. Belle vite avant l'entraînement, les gars. Les gars, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que t'as fait en ce moment? J'ai fait 5 semaines de force. Oh ils m'ont renié carrément. Les gars, c'est pas possible, on fait que de l'hypertrophie ici. Lui, il commence à faire de la force. Faut essayer. Il a fait que de la force. C'est-à-dire, en fait, t'as fait ta série. T'as tapé une sieste et ensuite tu refais ta sieste. Et à chaque fois, c'est comme ça. À chaque ouais. C'est l'arrêt, il prend. Tu vois le TikTok que t'as fait là où tu mets ta couette, c'est un tapis pour faire des abdos là. Lui, il fait pareil. Hein. Lui, il se met sur le banc, il met la couette comme ça, puis après.
Non, en vrai, un peu bizarre quand même la couleur. Bon, Yass. On prépare la potion, gros. Teste le nouveau prêt. Toi, t'as jamais testé ce goût, là? J'ai pas testé. Et prends une grosse coupe. C'est à dingue, ça? Non, mais genre. Attends. Ouais, oui, voilà. Ah, la potion est prête. On prépare le breuvage, là. Attends, je vais chercher le nom. Y'a déjà de l'eau? Non, y'a pas d'eau. C'est dry. Explique à tout le monde ce que tu viens de faire. J'ai mis de l'eau chaude, les gars. J'ai mis de l'eau chaude avec le pré-workout. Aïe. Non, mais tu sais qu'il y a un levier comme ça, il a laissé en bas. Il y a un petit indicateur rouge, normalement pour faire de l'eau. T'as mis de l'eau chaude ici, frère. C'est gay, c'est non, je vais prendre ma whey à l'eau chaude. Gay, prends la whey eau chaude, normal. Ah ouais. Oh, c'est grave, on dirait vraiment du bonbon là. Ouais. Très bon. Déjà, moi, je suis vraiment déter, faut que je passe 200 sous mes terres. Du coup, la scoop que je vais prendre, ça va être. Ça va être quelque chose comme ça. C'est mort. Tu vas regarder Danse avec les Stars. Hein, avec Michou et Elsa et... Bon, on commence à s'échauffer. Là, on a une bonne squad avec nous, là. C'est vraiment pas mal. Je pense que ça va être une bonne séance. Après avoir quand il commence à kick. Oh, tu nous montres quoi? Tuto améliorer sa performance au lit. Étape 1. Et là. Bon frérot, c'est quoi le programme? Bah squat heavy pour Yass et moi. Et ici ça va essayer de tenter les 200 pour toi du coup. Donc on fait grosse série lourde, on va se la donner, on est sous prêt. Paire aujourd'hui ou pas? Moi je suis chaud pour un paire en vrai. Combien tu vises? Franchement 110, je vais essayer de viser 110 tranquille, 110. Sport normal, okay. Et si 110 elle passe clean, on va taper 115. Voilà, donc là vous pouvez voir un très beau spécimen de créature en voie de disparition. Un Gideon sauvage, voilà. Frérot, objectif du jour. 115 x 6, pas de PR, une rep. Pas de PR. Je le x 6. Bon les gars, on va demander à Gideon ce qu'il fait de beau. Gideon, dis-nous ce que tu fais de beau. Aujourd'hui, c'est... Bon, warm up pour l'instant. On va faire quelques séries de choses, genre serré, puré. Dès qu'on va atterrir à 160, on va faire des singles jusqu'à 200. On verra. We'll be right back.
Passos, il m'avait dit tout à l'heure, ouais, 115, 110, je sais pas quoi. On a mis 120. Ok. On a mis 120, il va passer une single à 120. C'est très très clair. C'est devenu très très clair là. Ok, ok. Ok. Si je passe 120 et que tu passes pas 200, je t'explose. Oui, voilà. Oui, j'accepte. Voilà. J'accepte totalement. Audi. J'ai dit, moi je PR, toi tu vas PR. La dernière fois j'ai PR au bench, tu l'as PR au squat. Voilà, voilà. Non, non, non. On a tous PR, sortis-moi. Sauf toi, là. PR partout. Si moi je teste 120, toi tu testes au moins 130 ou 135. Au moins. En vrai, 135, quoi. C'est pas son. Laissez-moi faire mon. Et gros, gros. C'est power, power, casse pas les couilles. Mais toi aussi t'as pris du total war, qu'est-ce que tu. Question à fond, c'est ton job. Fucking job, bro. Ouais, fais ton job, fais ton job, fais ton job. Meilleure série, vraiment. Meilleure série. Meilleure série. Ça, frérot, c'est ça, frérot. C'est ça. Easy way. PR à deux. Trop easy. PR à deux. Deux rêves. Bon, clairement, les 180 c'était de la merde, ok. Là. Oui. Je suis content. Ok, les gars, le moment de vérité, on a mis 200 là. Je vais passer dans à peu près 3 minutes et demie. Mais j'étais choqué en fait que les 180 ça soit du caca comme ça. Genre, c'est monté tellement bien, ah, et c'est tellement proprement. On va pas se mentir, Total War c'est quand même quelque chose. Je passerai jamais sans Total War. Hein. Je suis pas du tout sponsor de la marque Total War et de Conan. Mais les gars, vraiment, c'est un délire. La redescente après, elle va être pas très cool. Hein. Mais gros, mais je vais faire un coma, gros. S'en fout de ça, gros. Pas de redescente ici, que de la montée. Bon, du coup, tu passes à quoi, là? Passe au bench, là. Là ça, c'est vraiment les séances de power, ça. T'es moi. Power boy. Les gars, 200 ça passe pas pour l'instant. Je verrai ça après, mais en fait c'est le démarrage qui me baise. J'arrive pas à la démarrer. Genre ça lâche, ça veut pas monter. Ça me casse les couilles. On va réessayer après, mais ah, ça me casse les couilles. Les gars, ce que je vais faire, vous le reproduisez pas, mais je vais reprendre genre une quart de scoop de Total War, histoire de bien voilà quoi. Voilà, donc là j'ai remis un quart. Je sais pas si on voit. Genre un petit fond de scoopette. Ça fait quoi, un quart de scoop? Histoire de nous rebooster. Allez. Bon, on va finir, on va faire deux séries à 160. La prochaine fois. La prochaine fois au calme. C'est parti remise. Moi si on abandonne les 200, ce sera pour une prochaine fois. Là on va faire deux séries de travail. 4 à 6 reps à 160. Je suis un peu gris, je vous avoue, mais. Vas-y, on va les taper quand même. Ouais. Non. T'allais dire quoi? Non, j'ai dit au montage, faudrait que tu rajoutes le mission failed, we'll get it next time. Mission failed, we'll get it next time.
bon, 4 reps. Là, c'était juste pour être sûr de bien faire. On va dire que ça rattrape le fail à 200. Du coup, il y a ces 13 quoi là. Bah, il me reste mon top 7 au deadlift et on style. On style, genre. Style, terminado. Ça aussi, 13 quoi. Presse, leg extension, leg curl. On go presse après. Genre maintenant. Il te reste combien de séries? Bah, c'est bon, je t'attends, frère. J'ai fait du soulevé de la jambe tendue en attendant que je fasse tes séries. Je go presse. Pas de magnésie et tout, raw. Raw, pas de sang, pas de ceinture. Tu parles de magnésie, t'es en prise mixte, espèce d'or. Oh, Liga Science terminée. Ça a été assez cool. Encore une fois, malheureusement, on n'a pas passé les 200. On casse les couilles, ce sera pour une prochaine. Là, on va rentrer chez nous. Et en vrai, pour j'ai pris quoi, 400 mg de caféine, la redescente, elle passe en vrai. Alors, je sais pas vous, les gars. Non, pas toi. Ah, moi, vu que ça fait un bike, en fait, j'avais pas pris de pré-workout, là, ça va en fait. Ah, ça va. Cool, quoi. Ah non. Ah, ça fait un mois que j'ai pas. Faut vraiment que je travaille mon soulevé de terre. Je suis juste content que les 180 elles soient passées aussi facilement. C'est juste je bloque à 200. N'hésitez pas à me dire genre des conseils sur la technique et tout. Je suis encore un peu un novice au soulevé de terre. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que je dois faire. Et moi c'est exceptionnel que je fasse des trucs force comme ça. Moi, comme vous savez, je suis uniquement hyper profit. Moi c'est uniquement l'hypertrophie, le volume. Force c'est pas souvent que je fais, voire pas du tout. Là c'est tout nouveau pour moi depuis un mois et demi. Mais en tout cas on continue à progresser dessus parce que un peu de force ça fait pas de mal. Plus de masse égale plus de as. Ouais les gars, on vient de rentrer au bercail. Personne dit ça. En tout cas là j'ai extrêmement faim, j'ai une petite redescente de près, c'est pas forcément très agréable. Cela dit, j'espère vous retrouver avec une séance push, parce que je n'ai pas encore de séance push
complète à 100% avec pec et tout. Mon pec va super en ce moment. J'ai pu refaire une séance push. N'oubliez pas le référencement, like, commenter, mes liens en description. À plus tard les boys.